إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du vendredi, le 10 de Rabi' al-Thani, de l'année 1404 de la Hijra du prophète صلى الله عليه وسلم, correspondant au 4 novembre 2022 du calendrier grégorien, nous entreprenons l'étude du livre A'lam As-Sunna d'Al-Hafidh Al-Hakami, et comme il fait partie de l'habitude de la méthode d'enseignement de nos enseignants, figure le fait, lorsqu'on entreprend l'étude d'un livre, de savoir qui est l'auteur. Car cette religion est une science et il est primordial de savoir de qui est-ce qu'on l'apprend. Puis ensuite, d'étudier sur le livre, car il est primordial de savoir quelle est cette chose qu'on étudie. Et le cours d'aujourd'hui va se développer principalement sur l'auteur. L'auteur Al-Hafidh, qui s'appelle Hafidh ibn Ahmad Al-Hakami, est né en 1342 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant à 1924 du calendrier grégorien, et il est décédé très jeune, rahimahullah. Il est décédé très jeune, rahmatullahi alayh. Il est décédé en 1377 de la Hijra, correspondant à 1958 grégorien. Il est décédé à l'âge de 35 ans. 35 ans, la trentaine d'années, c'est-à-dire plus jeune qu'une grande partie d'entre nous. Rahimahullah. Vous allez être étonné, après avoir eu connaissance de cela, vous allez être étonné lorsqu'on va vous évoquer sur cette petite vie, tout ce que cet homme-là a pu faire, subhanallah. Les informations dont je vais vous évoquer, il y a plusieurs sources qui ont évoqué quelque chose sur la vie du cheikh, notamment parmi eux, dans l'introduction du livre Ma'arij al-Qaboul, l'explication de par le cheikh Omar Jordi Madkhali Rahimahullah, qui fait partie de ses contemporains et de ses élèves. Bien qu'ils aient vécu dans la même génération, qu'ils avaient presque le même âge, il fait partie de ses élèves, subhanallah. Et le cheikh aussi a vécu, il est né en 1341, donc on voit qu'ils ont une année de différence, il est même une année plus âgé. Et il est décédé en 1420. Il est décédé en 1420 du calendrier de l'Hégire. Le cheikh Omar dit: Al-Sheikh Hafidh ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami sammahu waliduhu hafidhan fakatabahu Allahu hafidha. Le cheikh Hafidh ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami, son père, il l'a appelé comment? Hafidh. Il l'a appelé Hafidh, celui qui retient, qui apprend par cœur, celui qui préserve aussi, qui garde. Il l'a appelé comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que cet homme soit un Hafidh. Et vous allez voir dans son histoire comment est-ce qu'il apprenait. Des fois, il entendait une poésie comme ça, l'homme la récitait, et il pouvait lui la réciter entière tout de suite après. Allah Azzawajal a fait de lui un Hafidh. Et cet homme-là, Al-Hafidh Al-Hakami, Allah lui a accordé une part du nom par lequel il a été nommé. C'est-à-dire, il a tiré un héritage de son nom. Ibn Al-Qayyim évoque dans son livre Tuhfat Al-Wadud, il dit « Likulli musamman min ismihi nasib » Chaque nominé, il a une part, il tire héritage de son nom. Tu l'appelles, souvent des gens, leurs parents les appellent comme ça, avec une ferme conviction, tu verras que l'enfant, quelque part, il aura un trait de caractère ou quelque chose qui va se refléter sur lui, dans son comportement,
dû au nom qu'on lui a donné. Subhanallah. Et certains des shuyukh, parmi les savants et les étudiants du hadith contemporain, ils ont dans leur manière et dans leur éducation, Ibn al-Qayyim l'a dit, il a dit, il a évoqué ce fait, il a dit, toute personne à qui on donne un nom, il a de fortes chances de tirer une influence, d'être influencé par le nom qu'on lui a donné. Ibn al-Qayyim l'a évoqué, mais il n'a pas évoqué d'argument quant à cela. Il n'a pas évoqué un dalil. Et certains des chouyours ont, lorsqu'ils ont lu cette parole d'Ibn al-Qayyim, ils ont dit, cette parole, subhanallah, elle a percuté nos cœurs, mais il fallait qu'on lui trouve des dalils. C'est Ibn al-Qayyim qui l'a dit, mais il fallait qu'on lui trouve des dalils dans la sunna ou bien chez les salaf. Parce qu'Ibn al-Qayyim, c'est une génération plus tard. Mais la méthodologie des gens de la sunna, ce n'est pas de s'argumenter. La parole des savants, on ne s'argumente pas avec la parole d'un savant, mais on lui trouve des arguments. On lui trouve des arguments. Et ce qu'ils ont fait, ils ont cherché dans la sunna. Certains d'entre eux, l'un d'entre eux m'a dit, et mon cœur s'est apaisé lorsque j'ai trouvé le récit de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qui a nommé son fils Salim, celui qui est sauvé. Il lui dit, Ya Salim, sammaytuka Saliman litaslam. Il a dit, ô Salim, je t'ai appelé Salim pour que tu te sauves, pour qu'Allah te sauve. Ibn Omar a dit à son fils, ô Salim, sache que je t'ai nommé Salim en espérant fortement, fortement qu'Allah Azzawajal te sauve. En espérant fortement qu'Allah Azzawajal te sauve. Et le cheikh en question qui m'a évoqué cela, c'est le cheikh Abdel Qadir ibn Mahmoud ibn Abdel Qadir al-Arnaouti, le neveu du grand savant du hadith du Sham, Abdel Qadir al-Arnaouti. C'est un des savants, des chouyours contemporains dans la science du hadith. Bien qu'il soit très jeune en âge, il a une grande pointure, une matière de la science, dans la matière de la science du hadith, et c'est lui qui m'a évoqué cela. Hafizahullah. C'est une faïda que je tiens du cheikh personnellement. Ayo al-Ikhwa, al-Hafiz al-Hakami, commençons par son nom, sa provenance, d'où est-ce qu'il vient, de quelle famille. Il s'appelle Hafiz ibn Ahmad ibn Ali ibn Ahmad al-Hakami. Il s'appelle Hafiz, fils de Ahmad, fils de Ali, fils de Ahmad al-Hakami. Les Hakamiyoun, c'est une tribu. C'est une tribu qui descend de Qahtan. Qui descend de Qahtan, des Qahtanites. Et les Qahtanites font partie des bases desquelles descendent les Arabes. Des bases desquelles descendent les Arabes. Ou al-Hakamiyoun. Et ce mot-là, Hakami, les Hakamiyoun, pourquoi ils ont été appelés Hakamiyoun? Ils tirent leur nom d'Al-Hakam ibn Sa'd. Al-Hakam ibn Sa'd, c'est une tribu, Ashiratun min Muzhajj. C'est une tribu qui descend de Muzhajj, qui fait partie des tribus les plus célèbres et des branches les plus célèbres qui découlent de la tribu de Kahlan ibn Saba ibn Ya'rab ibn Qahtan, qui descendent des tribus qahtanites. Donc, Al-Hafiz al-Hakami, il descend d'une famille qui est d'une grande famille, et il est doté d'une généalogie qui est noble, qui remonte à la tribu de Qahtan. Quant à sa naissance, il est né dans un village qui s'appelle Qaryatus Salam. Qaryatus Salam. Al-Salam, ce village-là, il se trouve dans la région de Jazan. Cette région-là, Mantiqatul Jazan, c'est une région qui est au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Et cette région-là, lui, il est né dans ce village, As-Salam, en 1342, le 24, pendant le mois de Ramadan. Puis, les gens de la région, d'une manière générale, ils avaient à peu près tous le mode de vie. C'était des gardiens de chameaux, leur richesse, c'était les chameaux. C'était des gens de terre, des gens paysans qui travaillaient la terre, des gens qui vivaient très modestement. Très modestement. Et son père l'a pris, lui et son frère, pour se déplacer dans le village de Jadir, qui est un village à proximité, pas très loin. Ce village-là, qui était
dans lequel résidait et prédominait la tribu de Beni Shabil dans une région qui suit As-Samita. As-Samita, c'est la ville principale autour de laquelle c'est la ville mère en fait de cette agglomération autour de laquelle tous ces petits villages en fait ils sont reliés. Il a grandi dans cette région-là et a travaillé et a servi, était gardien, était berger, berger pour son père, et il travaillait, il était au service de son père. Puis, il a commencé à apprendre la lecture de son grand frère Mohammed. Son grand frère Mohammed, son frère aîné Mohammed, qui avait été envoyé par son père dans les Kuttab, dans les Madaris, pour apprendre la lecture et apprendre la lecture du Coran. Donc la méthodologie dans ces régions-là et dans les pays musulmans à l'époque, c'est que l'enfant, dans un premier temps, il apprend les lettres, et dès qu'il apprend les lettres, la première chose qu'on lui apprend à lire, c'est quoi? Le Coran. Le Coran. Et puis ensuite, il termine la lecture du Coran, et une fois qu'il a terminé la lecture du Coran et qu'il sait le Coran, on lui apprend le Coran par cœur, et ainsi de suite. C'est comme ça que commençait l'enseignement. Et dans cette région-là, d'une manière générale en Arabie Saoudite, mais dans cette région-là précisément, comment est-ce qu'ils apprenaient à lire le Coran? Ils terminaient la lecture du Coran, les enfants, c'est-à-dire en lisant par haraka. Bismillah. Ba kasra sin, sukun bis. Mim kasra mi, bismi. Ils lisaient comme ça. Tout le Coran, ils le faisaient comme ça. Quand ils terminaient tout le Coran comme ça, à ce moment-là, l'enfant, il savait. Kana mutqin lil qira'a, kana ya'rifu al qira'a. Il savait lire le Coran et il dominait la lecture correctement. Al-Hafiz al-Hakami, il a appris à lire comme ça. Dans un premier temps de son frère, puis ensuite, il a terminé le Coran avec son frère et il a appris. Ensuite, il s'est concentré sur l'apprentissage par cœur du Coran et l'apprentissage de l'écriture. Al-Hafiz, rahmatullah alayh, il a réécrit en fait tout le Coran. À la main. Il a réécrit tout le Coran à la main, en écriture propre, et il a appris à écriture. Et parmi les points par lesquels il se distinguait dès son jeune âge, c'était une belle écriture très propre. Une belle écriture très propre. Et puis, rahimahullah, ça c'est certaines paroles qui concernent sa vie et le contexte dans lequel il vivait. Ses caractéristiques physiques, Al-Hafiz était une personne qui était très carrée. Au niveau du physique, c'est une personne qui était robuste et forte, foncée de peau, rahimahullah, très peu barbu. Il avait une barbe, quelques poils, en fait, limite qui n'était pas très, très, très barbu, très poilu, comme sont certains Yéménites, parce que c'est une région qui est proche du Yémen. En fait, certains Yéménites, vous pouvez les voir, ils n'ont pas forcément des grosses barbes. Et Al-Hafiz était comme ça, dans le Mantaqat ul-Jizan, les gens, ils sont. C'est un peu leur type, leur caractéristique. Il a vraiment le type des gens de sa région. Rahmatullahi alayh. Il était aussi très amical avec les frères qu'il fréquentait, ceux avec qui il gardait les bestiaux. Il faisait de la lutte ensemble. Il s'amusait, il jouait. Et souvent, en fait, il disait qu'il avait le dessus sur eux. Il avait le dessus sur eux. Rahmatullahi. Allez. Et parmi ses caractéristiques morales par lesquelles on le reconnaissait, c'est qu'il n'était jamais avare quant au fait de recommander le convenable et de réprimander le blâmable. Toute sa vie, chaque instant, chaque occasion qu'il avait de conseiller, il donnait un conseil. Il conseillait les gens, mais il était aussi un imam en cela. Il leur montrait l'exemple au préalable. Il était un exemple dans sa manière d'être et dans sa manière de vivre. Puis, par la suite, parmi les caractéristiques que l'on connaît de lui dès qu'il est arrivé à son âge adulte, c'est l'intérêt qu'il portait à la da'wa, à la prêche. Et le service qu'il a rendu à son cheikh Abdullah al-Qara'awi. Il suivait son cheikh au doigt et à l'œil. Malgré tout le savoir qu'il avait, il ne se disait jamais qu'il dépasse son cheikh ou qu'il a dépassé son cheikh. Il était reconnaissant envers la première personne qui lui a enseigné cela. Et il le suivait et il le servait. C'est-à-dire, il était au service de son enseignant dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'enorgueillait pas et il était modeste. Quant à l'étude de la science, comment est-ce qu'il a commencé à étudier le savoir?
Hafez a commencé à étudier le savoir, ben, comme on l'a évoqué, dans un premier temps, ses premiers pas dans l'ilm, c'est avec son frère Muhammad, en apprenant les lettres, puis en apprenant à lire le Coran, en terminant la lecture du Coran à la méthodologie des gens de son époque. Puis l'apprentissage du Coran très tôt, avant l'âge de 12 ans, il a terminé le Coran, rahmatullahi alayh, d'un très bon hifz, d'un très bon hifz et d'une très bonne connaissance par cœur et maîtrise du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, s'en est suivi à cela le fait qu'il réécrive les livres. Il avait soif de savoir. Mais il vivait dans une région où il n'y avait pas d'enseignant. Il n'y avait pas d'imam, il n'y avait pas d'enseignant. Il n'y avait pas de livres, pas de bibliothèque. Les livres, tu les comptais sur les doigts de la main. Par exemple, il savait que dans tel village, à 15-20 km, il y en a un qui possède ce livre. Ils allaient prendre le livre et ils le réécrivaient. Ils le recopiaient à la main, tout entier. Aujourd'hui, nous, on a des bibliothèques. Tu as des bibliothèques chez toi. Tu télécharges des livres, des volumes. Eux, ils n'avaient pas ça. Ils voyageaient 10, 15, 20 km à pied ou à dos d'âne. Hein? Et puis, ils arrivaient, ils prenaient le livre, ils le recopiaient. Et quand ils recopiaient le livre, ils le rendaient. C'est comme ça qu'il se passait l'ilm. C'est comme ça qu'il se passait le savoir. Et parmi les premiers livres, ou même le premier livre qu'il a recopié, c'est Ar-Rahabiyya. Ce livre-là, dans Ilm al-Fara'id, dans la science de l'héritage, selon le fiqh shafirite. Et ce livre-là, il est nommé par le nom en fait, de son auteur, Ar-Rahabi. Cet homme-là, c'est lui qui a écrit ce livre-là. C'est une poésie. Manzouma fil Fara'id. C'est une poésie dans la science de l'héritage de 176 vers. Al-Hafidh al-Hakami, il a pris cette poésie, il l'a réécrit. En moins de 2 jours, il l'a appris par cœur. Il l'avait dans son cœur. En moins de 2 jours, il l'avait apprise par cœur. Puis ensuite, il cherchait, il s'informait. Où est-ce qu'il y a d'autres livres? Et ce qui l'intéressait fortement, c'est les livres dans la aqida, dans la croyance. Puis il a appris qu'il y avait dans un autre village, Keshfu Shubuhat, Al-Thalafatul Usul, les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il est allé, il les a repris et il les a réécrits tous en entier. Et il les a gardés, et il les a appris. Regardez comme, avec quelle difficulté, subhanallah, ils apprenaient le savoir, ces gens-là. Avec quelle difficulté ils apprenaient le savoir. On dit de lui qu'il a appris la miyatul af'al. La miyatul af'al, c'est une poésie qui a été écrite, c'est dans la langue arabe, dans la conjugaison. Cette poésie-là, il l'a appris en très peu de temps. Et quand il l'a appris, il était tellement jeune, il ne savait même pas quoi faire. Il est dit de lui qu'il ne la comprenait même pas. Parce que c'est des poésies. Donc c'est quand même assez subtil de tirer les sens, en fait, qui ont été voulus par le poète lorsqu'il a compilé cela. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut quand même avoir un certain bagage en matière de savoir pour comprendre les poésies islamiques qui traitent de la science. Mais il l'a appris par cœur, il la connaissait par cœur. Pourquoi il l'a apprise? Juste parce que les vers, ils lui plaisaient, ils sont jolis. Il l'a appris par cœur, et quand il gardait les chameaux, les gardiens de chameaux, en général, ils passent, ou bien les gardiens de moutons, ils passent leur temps, ils chantent certains des chansons, certains ils se récitent, les arabes, ils récitaient des poésies, puis certains des bédouins, ils faisaient des vers et des rimes, juste comme ça, des mots, pour passer le temps. Puis lui, il venait, il leur récitait la miyatul af'al. Puis ils étaient tous épatés. Kana yunafisuhum. Il venait, il y avait quelque chose de mieux qu'eux. Et puis eux, ils l'écoutaient, ils disaient, répète, c'est des belles paroles et tout, c'est de la belle langue arabe et tout. Puis lui, il leur répétait la miyatul af'al. Ça, c'est les premiers pas de l'Hafidh dans le savoir. Et puis, lorsqu'il avait vers les 17 ans, en 1359 de la Hijra, il a entendu qu'un cheikh est venu depuis Unayza. Depuis Unayza, Al-Qasim, c'est plus haut. Dans la région d'Ar-Riyad, Al-Qasim, c'est encore plus haut, vers le nord-est. Hein? Pas vraiment au nord-est, mais vers le centre, un peu plus au nord que le centre, du côté de l'est de l'Arabie Saoudite. Unayza, c'est de là que vient qui? Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Abdurrahman al-Si'adi, et ainsi de suite. Un cheikh est venu de cette région-là, il s'est déplacé. Cet homme-là, c'était un grand réformateur parmi les réformateurs de son époque. Il s'appelait Abdullah al-Qarawi. Il est appelé dans le Jazan, Cheikh ou Shuyur, le cheikh de tous les Shuyurs. Tous les Shuyurs du Jazan, de cette région-là, d'Arabie Saoudite, qui sont venus par la suite, les grands savants,
ils sont tous sortis de lui. Cet homme-là, il a, subhanallah, il a la récompense, inshallah, auprès d'Allah Azzawajal, s'il était sincère, de tout cela. Cheikh Abdullah Al-Qara'awi, il est venu depuis le Qasim, il est descendu dans le Jazal, car il a su et il a entendu qu'il y avait très peu de da'wah, très peu de savants, très peu de science. Il a quitté la région où il vivait, où il y avait beaucoup de savants, il aurait pu encore profiter pour venir faire la da'wah. Et c'était un homme, il commençait la da'wah après le Fajr et il l'a terminé après l'Aïcha. Les cours, il les commençait après le Fajr et il les terminait après l'Aïcha. Tous les jours, d'anatou. Son continu, sa vie, sa coutume journalière, c'était ça. C'était ça. C'était de commencer la da'wah. Après le Fajr, terminé après l'Aïcha. Un homme infatigable en matière de da'wah. Abdullah Al-Qara'awi. Cet homme-là, il a un sacré parcours, car à cette époque-là, il avait la quarantaine à peu près d'années. Il n'était pas très très âgé, mais il a un très grand parcours dans le savoir. C'est un homme qui a beaucoup voyagé pour la science. C'est un homme qui a étudié non seulement chez les savants de Qasim, de la région de Qasim, où il était, et de la région, d'Arabie Saoudite où il vivait, mais il a voyagé. Où est-ce qu'il a voyagé? Il a voyagé au Cham. Il a voyagé, il a pris des chouyours, de certains chouyours en Syrie, de certains chouyours en Palestine. Il a pris de certains chouyours en Égypte. C'est un homme qui a un voyage. À cette époque-là, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui les voyages, les rois. On n'était pas encore dans une époque où il y a l'aisance du voyage. Vous allez voir, Al-Hafiz Al-Hakami, pour faire la da'wah d'une ville à une autre, il se déplaçait à Dodan. Il se déplaçait à Dodan, pas en voiture comme nous aujourd'hui, sous le soleil. Et cet homme-là, non seulement dans ces régions-là arabophones, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voyagé jusqu'en Inde. En Inde, il a étudié dans les madaris de Ahl Sunnah wal Jama'a, la science du hadith. Vous savez qu'en Inde, il y a des grands savants du hadith? Parce que vous savez qu'en Inde, jusqu'à aujourd'hui, il y a des grands ulama du hadith. Et que certains des chouyours, ils vont en Inde pour prendre des asanides, des chaînes de transmission. Il y a des hommes en Inde, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des chaînes de transmission qui remontent jusqu'à qui? Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Hafadhu sunnah. Des hadiths qu'on connaît tous. Mais lui, non seulement il le connaît, mais lui, il est relié à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car il l'a pris de celui qui l'a pris, de celui qui l'a pris, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te récite par cœur la chaîne de transmission jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'importance, al-aman al-ilmiya, l'importance que les gens de science ont accordée au savoir dans cette communauté, wallahi. Il n'y a pas une communauté, comme dit Ibn Abd al-Barr, il n'y a pas une communauté dans les communautés qui nous ont précédés, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des hommes comme dans cette communauté qui accordent une importance comme les hommes de cette communauté accordent à la parole de leur prophète, ainsi que des compagnons et de ceux qui ont narré la science. Ça n'existe pas. Nulle part. C'est pas possible. Tu peux tous les mettre à l'épreuve, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Walillahi alhamd. Cheikh Abdullah al-Qara'awi, c'est un homme qui a beaucoup voyagé dans son étude de la science. Rahal, un homme qui a beaucoup voyagé dans l'étude du savoir. Puis quand il est revenu, il s'est installé où? Il s'est installé au Jazal. Il s'est installé au Jazal et il a commencé dans la région de Samita, la ville de Samita. Il s'est installé dans un hay, dans une mosquée qui s'appelait Masjid al-Raha. Ou hay al-Raha, Masjid al-Raha. Dans le quartier du repos, la mosquée du repos. Et il est venu dans ce quartier-là avec le repos de l'âme, le savoir. Il enseignait le hadith, le tafsir, et les gens apprenaient le savoir de cet homme-là. Quand Al-Hafidh Al-Hakami a entendu parler de cet homme-là, qui n'était pas très loin, il a envoyé son frère, son grand frère, et il lui a écrit un message. Il a dit, va vers le cheikh avec cette lettre-là, avec ce message. Et il lui a écrit certains mots. Et il lui a dit, demande-lui qu'il nous prête un livre dans le tawhid. Qu'il nous prête un seul livre qui traite du tawhid. Subhanallah. Regarde ce qu'il demande. Ayo al-Ikhwa, des fois on s'étonne des questions. Lorsqu'on entend certains frères poser des questions, on se dit, mais subhanallah, est-ce qu'il a compris réellement ce de quoi il a besoin celui-là? Est-ce que le shaitan, il se marie? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que si? Est-ce que la perruche de Suleyman, elle a trois plumes ou quatre ou cinq? Allahu Akbar, ya akhi. Aïn al-fa'ida.
Où est le bénéfice de cela? Qu'on parle sur la perruche de Suleyman ou si le shaitan il a 4 enfants ou 5 enfants. L'un des tabi'in, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit, Ya Cheikh, ils lui ont dit, Shaitan lahu dhurriya. Le shaitan, il a une descendance, n'est-ce pas? Allah l'a dit. Il a dit oui. Hal lahu zawja. Ils lui ont dit, est-ce qu'il a une femme? Il a dit, Dhalika ursun ma hadarna. Il a dit, ça c'est une festivité, un mariage. On n'a pas été invité, donc on ne sait pas. Il a dit, qu'est-ce que tu poses cette question? Aina al-fa'ida min hadha al-su'al? Ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est une connaissance qui ne t'apportera rien dans ta religion, et le fait que tu ignores cela ne te nuira en rien. Où est l'utilité de traiter de cela? Aina al-fa'ida? Ma fi, la yujad. À ce moment-là, regardez le Hafid. Avec tout ce qu'il sait à cet âge-là et ainsi de suite, tout ce qu'il apprend par cœur, qu'est-ce qu'il demande? L'essentiel, l'aqida, le tawhid, la ilaha illallah. Il veut apprendre encore plus la ilaha illallah. Il veut que la ilaha illallah, elle soit enracinée dans son cœur. Qu'il ait tous les arguments nécessaires pour pouvoir rester sur cela, pratiquer cela, à appeler les gens à cela. Subhanallah. Et puis, lorsque il est parti, son frère, donc l'Hafiz plus jeune, il envoie son frère, Muhammad. Muhammad est parti avec le message de son frère pour se diriger vers Samita et arriver vers le Cheikh Abdullah Al-Qarawi. Il dit, je suis arrivé dans la matinée, waqt al-duha, juste avant le dhuhr. Et il a dit, j'ai trouvé le Cheikh dans un coin de la mosquée en train de se reposer, de dormir. De dormir. Vous savez que c'est un moment avant le dhuhr, juste avant le dhuhr. Qu'est-ce qu'il fait partie? Il fait partie de la sunna de faire quoi? Une qayloula, une petite sieste. Une petite sieste légère. Puis à ce moment-là, attention, la compréhension de la qayloula chez certaines personnes et dans le monde musulman aujourd'hui, elle est un peu erronée. La qayloula chez certaines personnes dans des pays chauds, c'est quoi? Ils font la prière du dhuhr, ils font la qayloula jusqu'au asr. Hadi qayloula. Hadha qatl al-waqt. Ça, c'est pas une qayloula. Ça, c'est pas une qayloula. Ça, c'est le fait de tuer le temps. C'est le fait de perdre le temps. La qayloula, c'est avant le dhuhr de fermer juste un peu les yeux, afin de retrouver de l'énergie et de continuer à profiter du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Il a trouvé le cheikh et il a attendu. Dès qu'il y a l'adhan, le cheikh, il a ouvert les yeux. Et puis, il est allé vers le cheikh. Il a dit, Cheikhana, je viens à toi avec un message de la part de mon frère Hafiz ibn Ahmad, si tu peux le lire, s'il te plaît, et me donner réponse. Et puis, le cheikh, dans son message, il lui demande de lui prêter un livre, et s'il a la possibilité de venir dans leur région enseigner la aqida aux gens. Le cheikh, lorsqu'il reçoit ce message-là, il s'en va, il fait le wudu, il revient, il fait la salat, il lit le message. Et quand il lit le message, subhanallah, après la salat, il rassemble les gens, il leur montre le papier. Il dit, regardez ce papier, regardez cette écriture. Il dit, regardez cette écriture. C'est l'écriture d'un gardien de chameau. C'est l'écriture d'un berger. Ça, c'est l'écriture d'un jeune garçon qui est berger. C'est pas un talib comme vous. Il vit dans une région où il n'y a personne, il nous écrit pour nous demander de lui prêter un livre dans le tawhid, ou bien alors d'aller enseigner chez lui. Il dit par Allah, le vendredi qui vient, je me prépare à aller dans leur région. Qui vient avec moi? Subhanallah. Cheikh Abdullah Al-Qarawi. Regarde la modestie aussi de l'homme du Cheikh. Il ne se dit pas, c'est quoi? C'est un enfant de 17 ans. Non, il voit l'écriture, il voit la manière, il voit la question. Il se déplace. Il dit, qui vient avec moi? Moi, j'ai envie d'aller rencontrer ce garçon. Et il se déplace. Et vous voulez savoir le message? Le message, il commence avec deux vers poétiques. Le cheikh dit, Inna alladhi rasama al-kitaba bi kaffihi yuqri'u salama 'ala alladhi yaqrahu wa 'ala alladhi yaqrahu alf tahiyyatin maqrunatin bil miski hina yarahu. Allahu akbar. Tu prends le papier, ça commence, tu vois comme ça commence comme ça, tu sais que la personne qui a écrit ça, c'est pas n'importe qui en matière de savoir. Ce qui veut dire, Inna alladhi rasama al-kitaba bi kaffihi. Celui qui a écrit cette lettre avec sa propre main, yuqri salam ala alladhi yaqrahu. Il lit, il passe le salam à celui
qui va le lire. Il invoque la paix d'Allah Azwajal pour celui qui va le lire. وعلى الذي يقرأه الفتحية مقرونة بالمسك حين يراه. Et quant à celui qui le lit, qu'il sache qu'on lui passe 1000 salutations. On lui cède la meilleure des choses. Maqrunatin, qui sont associées à un arôme de parfum lorsqu'il le lira. Il va les ressentir comme un parfum lorsqu'il les lira. Allahu Akbar. Enfin, non, le cheikh, il lit ça, ça lui vient d'un enfant de 17 ans qui est bédouin, qui n'a jamais rencontré un savant. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit? Il la montre aux gens, il dit, regardez ça. Regardez ce signe d'Allah Azzawajal. Et sachez que vendredi, moi je vais le voir. Qui vient avec moi? Tous les toulabs, bismillah. Hein? Ils partent avec le cheikh. À ce moment-là, il descend dans Al-Jardir, dans le village dans lequel résidait le Hafid. Et la coutume à l'époque, c'est que lorsque une personnalité, un savant, ou une personne autoritaire, elle vient dans une région, chez qui elle demande l'hospitalité? Chez le chef de la région, le chef de tribu. Et il était accueilli. C'est-à-dire, c'était une honte que le chef d'une région, il n'accueille pas une personne qui est au passage. Puis à ce moment-là, ils se sont arrêtés dans Bayt Sheikh al-Qariya, Sheikh Moudish ibn Ali Bajawi. Et puis, lorsqu'il est venu, le Sheikh Abdullah al-Qarraou, il a dit, est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Hafiz ibn Ahmad? On dit, oui, c'est un jeune. Il a dit, ce jeune-là, faites-le venir ici, j'aimerais le voir. Ils l'ont amené, et lorsqu'il est venu, le Sheikh lui a dit, viens t'asseoir ici. Il a fait s'asseoir à côté de lui. Il a dit, viens, toi, tu viens t'asseoir ici à côté de moi, Cheikh Abdullah al-Qarraoui. Et ils ont discuté et échangé, et ils se sont... Le Cheikh Abdullah al-Qarraoui, il insistait, il disait, il faut que tu viennes à Sohameta pour étudier. Le Cheikh, il lui dit, mais je ne peux pas, parce que mon père, il a des bestiaux, et c'est moi qui suis à la charge, je ne peux pas tourner le dos, en fait, à mon père. Je dois aider mon père. Regardez le respect qu'ils avaient pour leurs parents, ces gens-là. Le respect qu'ils avaient. C'est-à-dire, il disait, moi, je dois aider mon père, il ne me laissera pas, je ne pense pas qu'il acceptera. À plusieurs reprises, Cheikh Abdullah al-Qarraoui, il est allé voir le père de Hafiz al-Hakami en lui disant, moi, je te paye quelqu'un qui vient te servir. Laisse-moi juste l'enfant. Il disait, Ya Cheikhana. Le père lui répondait, Ya Cheikhana. Agnamana ouladana. Wa ouladana. Ma lana ila hada. Il disait, notre Cheikh, sache qu'on n'a rien d'autre que ses bestiaux et ses enfants. On ne va pas les laisser partir comme ça. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça partir. Moi, je garde mon enfant avec moi. Et puis, à plusieurs reprises. Par la suite, le Cheikh Abdullah al-Qarraoui, il a décidé d'enseigner lui-même. Il a programmé un mois dans lequel il va venir dans la région de l'Hafiz al-Hakami et il va enseigner pendant un mois. Al-Hafiz a beaucoup profité. Puis, entre-temps, le père de l'Hafiz al-Hakami, de temps en temps, il le laissait aller et venir. Il s'est assoupli, il le laissait de temps en temps aller et venir. Et comme ça, Al-Hafiz al-Hakami, il a tiré profit. Le Cheikh Omar, rahmatullahi alayh, raconte, il dit, « وَذَكَرَ لِي الشيخ أحمد بن يحيى النجمي أَنَّ مِنَ الطَّلَبَةِ الَّذِينَ ذَهَبُوا مَعَ الشَّيْخِ إِلَى قَرْيَةِ الْجَارِدِعِ أَعْمَامُهُ الشَّيْخ حُسَيْن ابن محمد النجمي وحسين ابن محمد حسن بن محمد النجمي وحسين ابن محمد النجمي ذكر واحد منهم أن الشيخ عبد الله القرعاوي أملى عليهم تحفة الأطفال فحفظها الشيخ حافظ في نفس المجلس. Le Cheikh Omar dit que le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, le Cheikh Ahmed al-Najmi, vous connaissez le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, vous avez entendu parler de lui, rahimahullah, contemporain, il est décédé à quelques années de cela. Il lui a raconté que deux de ses oncles ont accompagné Abdullah al-Qarraoui lorsqu'il allait à Jardir pour enseigner pendant un mois. Puis lorsqu'ils l'ont accompagné, ces deux de ses oncles, c'était Hassan ibn Muhammad al-Najmi et Hussein ibn Muhammad al-Najmi. Ces deux frères-là sont allés tous deux. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont dit, le Cheikh Abdullah al-Qarraoui, il nous a fait écrire Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal, c'est une poésie dans le tajwid. Tuhfatul Atfal fi tajwid.
C'est une petite poésie, très petite, dans la science du tajwid. Et cette poésie-là, il leur a fait écrire aux élèves. Et les deux, ils témoignent. L'un d'entre eux, il témoigne et il dit, on l'a écrite. Et quand on l'a terminée, Al-Hafidh Al-Hakami, il l'avait apprise par cœur. Il l'avait apprise par cœur, en fait. Il n'avait plus besoin de regarder la feuille. Subhanallah. C'est-à-dire, Al-Hafidh Al-Hakami, il l'a apprise par cœur. Comment? En écoutant juste le shir et en réécrivant. Il apprend Tuhfatul Atfal par cœur. Tuhfatul Atfal par cœur. Donc on voit la capacité, en fait, de l'homme. Puis ensuite, ce que faisait le Hafiz al-Hakami, c'est que tout ce qu'il prenait d'Abdullah al-Qaraoui, tout ce qu'il apprenait par cœur, il faisait quoi? Il l'enseignait, en fait, aux gens de sa région, aux jeunes qui voulaient étudier de sa région. Ils disaient, vous voulez étudier? Moi, j'ai appris ça du cheikh, venez, asseyez-vous. C'est-à-dire, il joignait, en fait, entre l'apprentissage par cœur et la da'wa. Et la da'wa. Et ça enracine le savoir. La grande peur d'un da'i, d'un prêcheur, c'est quand il ne fait pas la da'wa. Quand un prêcheur ne fait pas la da'wa, son savoir, il disparaît. Il disparaît. Autant, tout autant pour une personne qui ne met pas en pratique ce qu'il apprend. Qui ne met pas en pratique ce qu'il apprend. Puis, l'année 1360 de la Hijra, quel âge il avait à ce moment-là? Il est né en 42. Quel âge il avait? 1360. 18 ans. À l'âge de 18 ans, il s'est enraciné, il s'est adonné, il a commencé à s'adonner totalement. Tout temps libre qu'il avait, il le donnait à la science. Tout temps libre qu'il avait, il le donnait à la science. C'est de là qu'il a commencé, en fait, si on peut dire ça comme ça, il a passé une vitesse encore supérieure dans l'apprentissage du savoir et le fait de le transmettre. Les élèves qui ont étudié à cette époque-là avec Al-Hafidh Al-Hakami, et parmi eux, Cheikh Omar, rahimahullah, il dit, Cheikh Abdullah Al-Qarraoui, il nous racontait le cours. Il nous expliquait le cours. Quand il terminait le cours, il faisait quoi? Il disait, lève-toi, Hafidh, lève-toi. Et il se levait à l'âge de 18 ans. Il se levait et il lui disait, redis tout ce que j'ai dit. Et il redisait. Le cheikh Omar, il redisait tout ce que le cheikh a dit, harfan harfa. Pas mot à mot, lettre par lettre. Lettre par lettre. Il répétait tout. C'est-à-dire, il enregistrait automatiquement tout le dars. Tout le dars. Et il le répétait. Et il le répétait aux élèves. Cette même année-là, à l'âge de 18 ans, il perd sa mère. Elle décède, rahimahallah. Puis dans cette même année-là, à la fin de l'année, il part pour le pèlerinage avec son père. Il effectue le pèlerinage, c'est-à-dire, puis sur le chemin du retour, son père tombe malade et meurt. Il perd ses deux parents. À ce moment-là, Hafiz al-Hakami délaisse tout lien avec le dunya. Tout lien avec le dunya, il le rompt. Dès ce moment-là, la seule chose qui existe dans sa vie, c'est l'ilm, al-amal, al-da'wa wa sabr. Le savoir, l'œuvre, la prêche et la patience. Jusqu'au jour où il a rencontré Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne peut rien raconter, on ne peut rien sortir de la vie de cet homme-là, autre chose que ces quatre points-là. Le savoir, la mise en pratique, la prêche et la patience. J'ai cherché, j'ai rien trouvé dans la vie de cet homme-là. Si ce n'est ces quatre points-là. Ilm, amal, da'wa et sabr. Jusqu'au jour où Allah Azzawajal a décidé d'ôter son âme. Et lorsqu'est entré le mois de Ramadan, qui a suivi cet événement-là, le premier Ramadan, il a été nommé comme guide, imam pour la prière de Taraweeh dans la mosquée du Cheikh Abdullah Al-Qaraawi. Il s'est déplacé maintenant à Samita. Et puis il se préparait, ils disent qu'il se préparait après le dhuhr jusqu'au asr, avec la lecture du Coran. Pendant la nuit, il guidait les gens en prière et en dehors de ces temps-là, il apprenait et il prêchait. Il apprenait et il prêchait.
Puis il n'a cessé d'étudier le savoir depuis 1960 d'une manière intense et infatigable jusqu'à 1962. Et il a dépassé dans le savoir toute personne qui étudiait chez Cheikh Abdallah Al-Qaraoui, même s'ils avaient commencé bien longtemps avant lui. Il les a tous dépassés, en fait, indiscutablement. Et personne ne l'égalait, en fait. Il n'avait pas d'égal, en fait, à son époque, parmi ses contemporains, même ceux qui étaient plus âgés, des fois. Et puis, ceci, dans quelle sphère? Il y a des gens, ils excellent dans, par exemple, la science du hadith aussi. Ou ça. Non, sur toutes les sciences, subhanallah. Avec le peu de livres qu'il y avait, avec le peu de livres qu'il y avait, avec le peu de moyens qu'il y avait, avec le peu de moyens qu'il y avait. Mais Allah Azzawajal l'a béni, en fait, dans le savoir qu'il lui a accordé. Et le cheikh dit, « Wa fi hadha al-'am, kallafahu al-cheikh bi ta'lif nubdhatin 'an 'ilm at-tawhid. » Et l'année 1962, excusez-moi, le cheikh, alors qu'il avait 19 ans, il n'avait pas encore fait ses 20 ans, il n'était pas encore entré dans sa 20e année. Cheikh Abdullah Al-Qaraoui lui a dit, tu vas écrire quelque chose de concis qui résume ce que tu as appris du tawhid, de la croyance chez moi. Tu vas écrire quelque chose de concis, résumé, qui résume les fondations de la croyance de tout ce que tu as appris toutes ces années chez moi. À ce moment-là, il a écrit sa célèbre poésie qui s'appelle Sulam al-Wusul ila ilm al-Usul fi ma'rifati fi ila ilm al-Usul fi tawhid Allah wa ittiba' ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sulam, c'est l'escalier. L'escalier par lequel l'escalier d'arrivée à la science mère, la science de la croyance, qui consiste à connaître le tawhid d'Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé comme ça sa poésie. Sulam al-wusul ila ilm al-usul fi tawhid Allah wa ittiba' ar-rasul. Et cette poésie là, c'est une poésie qui est composée de 290 vers. 290 vers. Sur 290 vers, elle résume toute la aqida. Elle résume toute la aqida. Au point où une personne qui apprend cette poésie par cœur, il a tout ce que le musulman doit connaître de sa croyance par cœur avec des vers poétiques. Et cette poésie-là, elle dit « Abda'u bismillahi musta'ina, radim bihi mudabbiran mu'ina. » Je commence en implorant l'aide d'Allah par l'évocation de son nom. Radin bihi mudabbiran mu'ina. En étant en total agrément avec Allah Azzawajal comme Seigneur et en prenant les causes pour mener à bien ce projet, en étant en total agrément avec Allah Subhanahu wa Ta'ala comme mudabbir, comme celui qui régit tout ce qu'on fait et comme celui qui vient en aide à ses serviteurs. Puis dans cette introduction, il évoque ce fait-là, que c'est son cher qui lui a demandé. Il dit « Sa'alani iyahuma labuddani bilimtithali su'lihi l'mumtathali faqultu ma'ajzi wa ma'ishfaqi mu'tamidan ala al-qadir al-baqi. » Il dit « Il m'a questionné, il m'a demandé de faire cela et je n'avais pas d'autre choix que de répondre à sa demande, la demande de mon enseignant. Je me suis dit, je vais entreprendre cela malgré mu'ajzi, mon incapacité et mon inquiétude, en me reposant sur Qadir, Allah Azzawajal, Al-Baqi, celui qui persiste et ne meurt jamais. Je me suis vu que je n'étais pas capable, mais le Cheikh m'a demandé, je me suis dit, oh Allah, aide-moi, et il a commencé à écrire. Allahu Akbar, cette poésie-là, lorsqu'il a écrit, c'est ça qui a fait connaître le Cheikh Al-Hafidh Al-Hakami chez tous les savants de son époque. Ils ont été choqués. Ils étaient choqués de ces vers poétiques. Et ce qui est évoqué, c'est que lorsqu'il l'a écrit, à l'époque où il était en train de l'écrire, le cheikh Abdullah ibn Sulayman ibn Humayd est venu visiter Abdullah al-Qaraoui. Et il a entendu parler d'Al-Hafidh al-Hakami. Il lui a dit, il est où l'Hafidh? Il est où ton élève Hafidh al-Hakami, ce jeune? Il a dit, il est là. Il a dit, c'est vrai qu'il est poète. C'est vrai qu'il connaît la poésie. Il a voulu... Il a dit, ouais, il connaît la poésie. C'est un très bon poète. Et quand Al-Hafidh Al-Hakami est venu,
Cheikh Abdullah ibn Humayd, rahimahullah, il l'a accueilli en fait avec les vers du poète lorsqu'il dit لَقَدْ سَمِعْنَا بِأَوْصَافٍ لَكُمْ كَمُلَتْ فَسَرَّنَا مَا سَمِعْنَاهُ وَأَحْيَانَا مِنْ قَبْلِ رُؤْيَتِكُمْ نِلْنَا مَحَبَّتَكُمْ وَالْأُذْنُ يَعْشَقُ قَبْلَ الْقَلْبِ أَحْيَانَا قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَانَا وَالْأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَانَا. Il lui dit, ces vers qui sont écrits par un autre poète, il lui évoque, il lui dit, nous avons entendu parler de vos vertus et de vos traits de caractère qui sont très complets. فَسَرَّنَا مَا سَمِعْنَاهُ وَأَحْيَانَا. Et nous nous sommes réjouis. Et nous sommes, ça nous a enjolivé la vie, le fait qu'on entende parler d'un jeune homme comme vous. وَمِنْ قَبْلِ رُؤْيَتِكُمْ نِلْنَا مَحَبَّتَكُمْ. Et avant même de vous voir, on vous a aimé. Avant même de te voir, on t'a aimé. وَالْأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَانَا. Et l'oreille, des fois, est prise d'amour avant l'œil. C'est-à-dire, des fois, tu entends parler de quelqu'un sans même l'avoir vu, tu l'aimes. Et quand tu le vois, ça fait qu'augmenter ton amour. Regarde la réponse de l'Hafidh al-Hakami sans reprendre la poésie de quelqu'un. C'est-à-dire, sur le coup, comme ça, il lui répond. Il lui dit, Alhamdulillahi ru'yakum qad ittasalat bi'izni bari al-bariyya Allahu maulana. والله يشهد أن نحن إخوتكم والمؤمنون كذا في الله إخوانا. سبحان الله. Sur les mêmes, sur le même rythme de poésie, il lui répond sans avoir préparé au préalable. Il lui dit Alhamdulillah, les louanges reviennent à Allah. رؤياكم قد اتصلت. Nous sommes contents du fait que il nous a été permis, cette rencontre nous a été permise. بِإِذْنِ بَارِ الْبَرِيَّ اللَّهُ مَوْلَانَا. Par la permission de celui qui crée la création, Allah notre maître. وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ نَحْنُ إِخْوَتُكُمْ. Et Allah est témoin que nous sommes vos frères. وَالْمُؤْمِنُونَ كَذَا فِي اللَّهِ إِخْوَانَا. C'est ainsi que les croyants doivent être frères en Allah. Ils doivent s'aimer. En poésie, lui dit, subhanallah. Et puis, à ce moment-là, Abdullah al-Qara'awi avait parlé à Cheikh Abdullah ibn Humayd de cette poésie qu'il était en train d'écrire, son élève, sur la croyance. Puis il lui a demandé de lui faire lire. Il a dit, peux-tu nous lire quelques chapitres de ta poésie? Il lui a lu certains chapitres. Cheikh Abdullah al-Qara'awi, il était tellement heureux. Il lui a offert 30 riyals, hein, qui était à l'époque, c'était beaucoup 30 riyals. Aujourd'hui, c'est rien du tout. À l'époque, il lui a offert 30 riyals et il lui a offert un bisht. Bisht, c'est... Je ne sais pas, ces habits qu'on... C'est une cape qu'on met comme ça pour s'enjoliver, de couleur blanche. Il lui a offert, il a dit, prends ça comme cadeau, s'il te plaît. Il a dit, j'aimerais t'offrir cela comme cadeau. Il fait partie de la sunna d'accepter ou de refuser les cadeaux? D'accepter les cadeaux. D'accepter les cadeaux. C'est ainsi que cet homme-là n'a cessé d'apprendre et d'enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, ayyuhal ikhwa, regardez le point de départ de cet homme, c'est où? Dans un village où il n'y a rien, il n'y a pas de savoir. Mais quand tu veux sincèrement le savoir, Allah Azzawajal, il te l'amène. Quand tu es sincère dans la demande du savoir, tu es mukhlis, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'amène le savoir. Mais quand tu es sincère dans la demande du savoir et que tu veux le savoir, quand il est à ta porte et qu'il est à portée de main, tu ne lui tournes pas le dos. Tu ne lui tournes pas le dos. Regarde cet homme, il est parti de rien. Il n'y avait rien, rien. Contrer, rien. Gardien, chameau, rien. Subhanallah, malgré cela, regarde où est-ce qu'il est arrivé. Et cet homme-là, il n'a pas eu 50 savants, 50 enseignants, il a eu un seul enseignant, Abdullah al-Qara'awi. Un seul enseignant, Abdullah al-Qara'awi. Un seul enseignant, Abdullah al-Qara'awi. Si tu peux mettre sur Dine, frère. Il a eu un seul enseignant, c'est qui? C'est Abdullah al-Qara'awi. Et l'autre cheikh chez qui il s'est assis, un seul cheikh chez qui il s'est assis pendant peut-être un mois ou très peu de temps pendant qu'il restait à la Mecque, c'était en 1367. Chez le cheikh Abdelrazzaq Afifi, un cheikh d'origine égyptienne qui était enseignant au Haram Mekki, à Mecca, parmi les grands savants de Mecca.
Mais en dehors de cela, c'est Cheikh Abdullah Al-Qarawi, son enseignant. Et regarde où est-ce qu'il est arrivé en matière de savoir. Si l'homme, il est sincère et motivé, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvre les portes et lui facilite. Al-Ikhwa, parmi les œuvres de l'Hafidh Al-Hakami, et quand on regarde ses œuvres et ce qu'il a écrit, on remarque plusieurs choses. Quand il écrit dans l'éducation et la poésie, tu te dis que c'est un homme, c'est un poète. Quand il écrit dans le tafsir, dans le commentaire, tu te dis que c'est un mufassir. Quand il écrit dans le hadith, tu te dis que c'est un savant du hadith. Il excelle dans tous les domaines, subhanallah. Dans tous les domaines, il est excellent. Dans tous les domaines du ilm, il est excellent. C'est très rare de trouver des savants qui excellent dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, vous rappelez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il compare le bénéfice que l'on tire du savant face à l'adorateur, c'est comme le bénéfice de la lune face aux étoiles. Pourquoi il dit, Allah Azzawajal, il a évoqué la lune en parabole au savant. Parmi les choses qu'il évoque, c'est que la lune, elle n'est pas pareille. Des fois, elle est petite, des fois, il y a la pleine lune, des fois, il y a un quart de lune. Il dit, c'est ainsi, les savants, ils ne sont pas pareils dans leur science. Il dit, il y a certains savants qui sont comme la pleine lune, plein de savoir sur toutes les sphères. Plein de savoir sur toutes les sphères. Al-Hafidh al-Hakami, Inch'Allah, il était comme ça, rahmatullahi alayhi. Sur toutes les sphères, il était débordant d'ilm, malgré le peu de moyens qu'il avait. On comprend, quand on analyse la vie de cet homme, on comprend que si l'homme, il est sincère, il est mukhlas. Et si l'homme, il est patient, et si l'homme, il s'accroche et ne se détourne pas de la quête de savoir, malgré le peu de moyens, Allah lui donne beaucoup de savoir. Combien d'autres personnes, ils peuvent baigner dans les moyens, et nous faisons partie de ceux-là. On baigne dans les moyens, à portée de main, chez toi, tu as les moyens. Et on n'apprend rien. Et on n'apprend rien. Parmi les œuvres qu'il a écrites, la première de ses œuvres, c'est Sulam. Sulam al-Wusul ila ilmi al-Usul fi tawhidillah wa ittiba'i ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette poésie-là de 290 vers dont on a évoqué avant. Il l'a écrite où il avait à peine 20 ans. Il l'a complété quand il avait 20 ans. Il l'a complété à l'âge de 20 ans. La deuxième de ses œuvres, c'est Ma'arij al-Qabul. Ma'arij al-Qabul, c'est l'explication de Sulam al-Wusul. Il a écrit lui-même l'explication de sa poésie. Il a écrit la poésie. Cheikh Abdullah al-Qarawi, il a dit, écris un livre dans lequel tu expliques. Il est imprimé sur 2 volumes, ou 3 volumes selon la maison d'édition, Ma'arij al-Qabul. Parmi les points avec lesquels se distingue Ma'arij al-Qabul, c'est le fait qu'il vient, il t'amène sur des choses très pointueuses dans l'aqida, des arguments que tu trouveras très rarement dans d'autres livres, parmi les récits, les hadiths ou les récits des compagnons ou des tabi'in. Parmi les livres qu'il a écrits, il a écrit Nail al-Soul fi tarikh al-umami wa sirat ar-rasul. C'est une poésie de 970 vers. 970 vers qui parlent de l'histoire et de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les livres qu'il a écrits, il y a Wasilatul Husul ila muhimmatil usul fi usul al-fiqh, dans la science de usul al-fiqh. C'est à nouveau une poésie qui est composée de 640 vers. Il écrivait tout en poésie en fait, rahimahullah. Il écrivait presque tout ce qu'il écrivait, il l'écrivait en poésie. Parmi les livres qu'il a écrits qui sont impressionnants et qui témoignent de sa pointure en matière de jurisprudence hanbalite dans le fiqh, il y a As-Subul al-Sawiyya fi fiqh as-Sunan al-Marwiyya. C'est une poésie de 2420 vers. De 2420 vers qui traite de l'argumentation en matière de jurisprudence. Et parmi ce qu'il a écrit, il y a le livre que nous allons étudier qui s'appelle A'lam Sunnat al-Manshura bi'i'tiqad ou li'i'tiqad at-ta'ifah an-najiyah al-mansura. Su'al wa jawab fi at-tawhid.
A'lam as-sunna al-manshura. Ce livre-là, ils l'ont traduit en français la croyance musulmane en 200 questions-réponses. Mais le titre du livre, c'est pas comme ça. Le titre du livre, c'est A'lam. A'lam, c'est quoi? Les étendards, les drapeaux. A'lam as-sunna, les étendards de la sunna répandue. Les étendards de la sunna qui viennent se répandre, afin de mettre au clair, d'expliquer la croyance du groupe sauvé et soutenu par Allah. Il s'appelle comme ça le livre. Les étendards de la sunna qui se répandent, hein, afin d'expliquer ou de mettre en évidence la croyance du groupe sauvé et soutenu par Allah. Subhanallah. Déjà le titre, subhanallah, il est percutant. Juste quand tu lis le titre, c'est comme Ibn al-Qayyim. Tu lis les titres de ses livres, ça percute le cœur, juste le titre, avant même d'entamer la lecture, en fait, des trésors qu'il y a dedans. Ce livre-là, il l'a écrit, ayyuhal ikhwa, en 1365. 1365, à l'âge de 23 ans, subhanallah. Ce livre-là, à l'âge de 23 ans, il l'a écrit. Rahmatullah alayhi. Il a écrit aussi Al-Jawhar al-Farida fi tahqiq al-Aqida. Un livre dans la croyance, les joyaux uniques dans la correction pour arriver à la bonne croyance. Il a écrit Nour al-Fa'id fi shams al-Wahy fi ilm al-Fara'id. Il a écrit un autre livre au sujet de l'héritage, qui concerne les règles de l'héritage en islam. Il a écrit « Dalil wa arbab al-falah fi tahqiq fann al-istilah », un livre qui traite de la science du hadith. C'est quoi un hadith sahih? Comment on le comprend? C'est quoi un hadith faible? Et ainsi de suite, les définitions. Il a écrit « Al-lu'lu al-maknoun fi ahwal al-asanid wal-mutun ». À nouveau, c'est un livre qui traite des chaînes de transmission et des textes, des hadiths. Il a écrit Al-Lamiya fi an-nasikh wal-mansukh. C'est une poésie, Al-Lamiya, qui se termine par des lames, dont les vers ils se terminent par des lames, dans an-nasikh wal-mansukh, dans l'abrogeant et l'abrogé. Dans l'abrogeant, sur l'abrogeant et l'abrogé, de 132 vers. Il a écrit Nasihatul Akhwan fi ta'ati al-qat wad-dukhan. Le conseil qui est donné à mes frères dans le fait de s'adonner au qat. Le qat, c'est une plante, je ne sais pas comment on dit en français, le jat ou le kat, ou comment ils appellent ça. Le kat, voilà. C'est une plante qu'ils mâchent et puis c'est excitant. C'est une sorte d'excitant. Ils ne dorment pas pendant des jours, ils mâchent, ils boivent le thé. Et puis c'est une drogue en fait, en somme. Et certaines personnes, ils l'interprètent, ils disent non, c'est énergisant, ce n'est pas une drogue. Ils cherchent des droites, des gauches. Hein, à droite, à gauche, pour se rendre l'illicite, licite, qu'Allah nous en préserve. Ainsi pour la fumée aussi, le Dukhan. Et le Cheikh, il a écrit une poésie pour conseiller ces personnes-là qui émettaient des fatwas ou des verdicts en disant aux gens que c'est pas interdit, il n'y a pas de mal, et la cigarette, il n'y a pas un dalil pour dire que c'est haram, et le qat, il n'y a pas un dalil pour dire que c'est haram, et ainsi de suite. Qu'Allah nous en préserve. Une personne qui cherche, en fait, dans la religion des arguments pour se permettre, ceux qui pourraient le conduire en enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Puis, il a écrit « Muqarrarat fi usul al-fiqh » des programmes dans l'étude de usul al-fiqh, « Muqarrarat fi sirat al-nabawiyya » des programmes pour l'étude de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Muqarrarat fi nahwi wa sarf » des programmes pour l'étude de la grammaire et de la conjugaison en arabe, « Muqarrarat fi adabi suluki » des programmes qui traite des normes éducatives en islam et comportementales. Il a écrit aussi Khutbatun Mimbariya fil Jum'a wal A'yad, des sermons qui sont proposés pour les vendredis, pour les imams, pour les vendredis et pour les fêtes de l'Aïd. Il a écrit aussi Al-Hadith al-Thulathiya min al-Bukhari, les hadiths qui ont que trois rapporteurs dans les chaînes de transmission de Al-Bukhari. Al-Bukhari, il a des Thulathiyat. Il a des chaînes de transmission entre lui et le prophète sallam, il y a combien? Juste trois rapporteurs. Il a écrit aussi
منظومة عن العزوف عن الدنيا une poésie dans laquelle il évoque le fait de se retirer d'importance de s'écarter du dunya et de ne pas s'attacher. Il a écrit Miftah Dar al-Salam bi tahqiq shahadatay al-Islam. La clé d'entrée au paradis par le réalisement des deux témoignages de l'islam, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Quel magnifique titre et quel magnifique livre. Il a écrit aussi Sharh al-Waraqat fi usul al-Fiqh. Il a écrit l'explication du livre des Waraqat, c'est un livre dans usul al-Fiqh. Et il a écrit d'autres livres encore qui ne sont pas évoqués, d'autres poésies qui ne sont pas évoquées. Subhanallah. À quel âge il est mort cet homme? 35 ans. Regardez, je vous le baraka, la bénédiction dans le temps et dans la vie. Nous, on a jusqu'à 35 ans, on n'arriverait peut-être même pas à lire ce que lui, il a écrit. Lui, il l'a écrit. Lui, il l'a écrit. Rahmatullahi alayh. Les œuvres qui sont à évoquer de Hafid al-Hakami dans l'enseignement. Il a enseigné, il a commencé à enseigner dans Al-Madrasatu Salafiyya, à Samita, dans l'école salafite de Samita. Lorsqu'on dit salafite, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les salafistes, on entend souvent ça. Ça veut dire quoi? Lorsque nous, on l'emploie, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Il faut qu'on dise aux gens ce qu'on veut par cela. Il faut qu'ils sachent, afin que si on ne dit pas, on va laisser les gens interpréter à notre place. On ne va pas leur donner cette chance-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Hein? Non. Le mot salafi, dans la langue arabe, il est composé de deux choses. Salaf et le ya de la nisbah. Salafiyun. Si moi je te dis, tu es suisse, comment je dis? Suisse-riyun. Nisbatun ila baladek. Tu es suisse. Salafi, c'est une personne qui se donne appartenance. À qui? Au salaf. Et c'est qui les salaf? Dans la langue arabe, kullu man taqaddama alayk fahuwa salafuk. Fahuwa salafun lak. Toute personne qui t'a devancé sur ce sur quoi tu es, c'est ton salaf. Ton père à toi, c'est ton salaf. Ton père à toi, dans la langue arabe, c'est ton salaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima radiallahu anha, ni'ma salafi ana laki ya Fatima. Quel bon salaf je suis pour toi, oh Fatima. Quel bon salaf je suis pour toi, oh Fatima. C'est-à-dire, quelle bonne personne qui est venue avant toi, quel bon prédécesseur je suis pour toi, oh Fatima. Dans l'emploi de ce mot dans la religion, le salafi, c'est celui qui se donne appartenance à la voie des premiers musulmans. Les muhajirines, elle est ansar. Dans sa croyance, il regarde dans les sources musulmanes, le Coran et la Sunna, est-ce que lorsqu'il croit une chose, est-ce que le Coran lui demande de croire cela et la Sunna? Dans ses paroles, lorsqu'il dit une chose, il regarde si cette parole-là, dans le Coran et la Sunna, dans l'adoration, on lui demande de la dire. Pourquoi? Parce que il est accroché à ses sources. Et la salafiyya, c'est la voix de ceux qui suivent les salafs, ceux qui étaient avant nous, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie-là, ayol ikhwa, c'est quoi d'autre? Ce n'est rien d'autre que l'islam. L'islam, c'est la salafiyya. L'islam, c'est Ahl Sunnah wal Jama'ah. Pourquoi nous disons que l'islam? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas salafis ne sont pas musulmans? Absolument pas. On n'a jamais dit ça. Mais nous, il y a la différence entre le fait de juger la personne et de juger la voix. Nous, on te parle d'une voix. La seule voix qui est la voix authentique et unique, c'est celle qui revient à ce que le prophète Sassem a cru, ce que le prophète Sassem a dit et ce que le prophète Sassem a fait. En islam, on parle. Dans le dunya, on ne parle pas de ça. On te parle dans l'islam, dans les convictions musulmanes, tes sources musulmanes, la vérité, elle est pas, il n'y a pas 50 vérités. Elle est une. La vérité, dans la croyance, c'est le fait que ta croyance, elle soit conforme à celle des muhajirines et des ansars, que le fait que la voie que tu suis, elle soit conforme à celle des muhajirines et des ansars. Dans la jurisprudence, est-ce qu'il y a des divergences? Il y a des divergences, il y en a eu. Ces divergences-là, elles sont excusées majoritairement
où elles sont comprises majoritairement. On les comprend. Pourquoi elles surviennent? Pourquoi? Parce que des fois, il y a un savant qui a reçu le hadith, il a émis un avis sur le hadith qu'il a eu. Des fois, un autre savant, il a vu que le hadith, il est faible, il a émis le hadith, il a émis l'avis selon le jugement qu'il avait sur le hadith. Ou sur... Et ainsi de suite. Ça, c'est pas un problème. Mais dans la voix, c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça, c'est le surat al-mustaqim. C'est que ta croyance en Allah Azzawajal et en ce en quoi Allah te demande d'avoir foi, elle soit correcte, et c'est le chemin que tu suis, qu'il soit conforme à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la voie. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la salafia. Ça, c'est la salafia. Non. Il était enseignant, donc, dans Al-Madrasatu Salafiyya bi Samita, dans l'école salafite à Samita. Thumma bi Madrasati Qaryati Al-Jadi'a. Puis il était enseignant dans son village à Djerdia, à l'école. Puis ensuite, il a enseigné à l'école An-Najamiya dans la même année. Puis il a été enseignant à l'école Al-Jaradiya, l'école d'Al-Jaradiya dans la même année aussi. Et ceci, qu'il y ait, ils sont chers ou pas. Même quand Cheikh Abdullah Al-Qaraoui, il était là, il ne lui demandait pas d'arrêter Al-Hafiz Al-Hakami. Il disait non, même si moi je suis là, tu continues à enseigner. Parce qu'il connaissait le niveau de son élève. Il connaissait le niveau de son élève. Et dans ces trois écoles-là, ayol ikhwa, la madrasa salafiya, la madrasa ajadia et an-najamiya, dans ces écoles-là, subhanallah, il enseignait, c'était quoi le programme d'enseignement? Regarde ce que te dit Cheikh Omar. Il dit كان تدريسها في هذه القرى الثلاثة بعد الصلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فنأخذ راحة ما يقارب ساعة واحدة. L'enseignement, le programme d'enseignement dans chacune de ces écoles, chaque fois qu'il allait enseigner dans une de ces écoles, ça commençait quand? Après la prière du Fajr, tout de suite. Il disait jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le soleil il se lève. Quand le soleil se levait, on prenait une heure de pause, à peu près. ثُمَّ نَعُودُ لِلْدَرْسِ لِلْحِفْظِ إِلَى بَعْدِ صَلَاتِ الظُّهْرِ. Puis ensuite, on revenait à l'étude depuis, après cette heure-là, jusqu'à la prière du Zohar, on étudiait. Est-ce que ça s'arrête là? Absolument pas. ثُمَّ نُعِيدُ لِلْدَرْسِ ثُمَّ نَعُودُ لِلْدَرْسِ إِلَى صَلَاتِ الْعَصْرِ. Puis on faisait le dhor et on reprenait les cours jusqu'à la prière du Asr. ثُمَّ نَأْخُذُ رَاحَةً لِلْحِفْظِ إِلَى الْمَغْرِبِ. Puis après l'Asr, on se mettait, on se reposait. Comment il se reposait? On se reposait dans un coin en train d'apprendre par cœur certaines choses. Leur repos, c'était comme ça. C'est-à-dire, ils sortent du cours, ils se reposent comment? Ils se reposent en se mettant dans un coin en apprenant par cœur. Ça, c'est le repos. نَأْخُذُ رَاحَةً لِلْحِفْظِ. Subhanallah. Jusqu'à la prière du Maghrib. ثم نعيد الدرس إلى أذان العشاء. Puis on reprend le cours jusqu'au Adhan de l'Aïcha. Regardez ce programme. Comment tu veux que les gens qui participent à ce programme-là, ça sorte pas, tu sortes pas en fait des colosses du savoir avec ça? Commence après le Sobh jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand le soleil se lève, une heure de pause. Après ça, enchaînement jusqu'au Dhuhr. Après ça, enchaînement jusqu'à l'Asr. Puis après ça, après l'Asr, repos. C'était quoi leur repos? Ils se mettaient dans un coin, ils se reposaient en attendant le Maghreb, ils apprenaient par cœur, chacun. Quand le Maghreb vient, on reprend le Dars jusqu'à l'Aïcha. وَبَعْدَهَا الْمُقِيمُونَ يَتَذَكَرُونَ فِي دُرُوسِهِمْ إِلَى النَّوْمِ. Et après ça, quand l'Aïcha vient, ceux qui étaient résidents dans le village, qui habitaient là où il y avait l'école, ils se rappelaient ce qu'ils ont appris la journée. Entre frères, ouais, on a appris ça aujourd'hui, on a appris ça, on a appris ça. Ils répétaient jusqu'à quand? Jusqu'au moment d'aller au lit, d'aller dormir. Et ceux qui n'étaient pas résidents, qui devaient voyager, ils prenaient la route, ils rentraient à pied jusqu'à leur village ou leur contrée d'où ils venaient. Subhanallah. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était comme ça que ça fonctionnait le ilm. Et eux, les ikhwa, c'était comme ça que ça fonctionnait, mais ça a marché. Tous ces gens-là, tous les gens de cette époque-là, il n'y en a aucun qui n'est pas sorti savant. C'est tous sortis du ulama. Chacun d'entre eux, il est sorti alim.
On ne parle pas des talib ilm ou imams d'une mosquée, non. Tous ces gens qui ont appris dans cette époque-là, et les noms ils sont recensés, ben c'est tous des gens en fait qui ont laissé un héritage au ilm dans la science religieuse et qui ont été des savants par la suite. Il n'y a pas photo. Pas photo. Tu veux arriver à ce stade-là, il faut faire l'effort, il faut suivre le chemin qui y conduit. Puis le cheikh il dit, et dans ces trois villages, en suivant cette méthodologie-là, on a beaucoup profité, il dit le cheikh Omar, par la permission d'Allah et en suivant la méthodologie qui était dictée par cheikh Abdullah Al-Qarawi. Puis ensuite, il a œuvré en 1364 à l'âge de 22 ans en tant qu'enseignant dans la ville de Biche, pendant une courte période. Puis après ça, il s'est déplacé à Sabia, dans la mosquée, il a enseigné dans la mosquée à Markaz Al-Imara. Puis il a enseigné à Dhimn et il est resté peu de temps en tant qu'enseignant. Il s'est beaucoup déplacé, Cheikh Al-Hafiz Al-Hakimi. C'est-à-dire, tout le Jizan, ils ont appris de lui, subhanallah. Là, en fait, tous ces villages-là, c'est des villages et des agglomérations différentes dans la même région. Et son cheikh Abdullah Al-Qarawi, il lui a acheté un âne. S'il n'avait même pas d'âne, il lui a acheté un âne pour se déplacer d'une contrée à une autre. Et il allait, il se déplaçait avec un âne d'une contrée à une autre. Subhanallah. Puis, il est revenu à Samita. Et il a commencé à enseigner en 1367 dans le village de As-Salam. Puis, durant le mois de Safar, il a enseigné là-bas depuis le mois de Safar jusqu'au mois de Rajab 1368. Après cela, le cheikh Abdullah il lui a ordonné de revenir à Biche. Et il est revenu dans cette ville-là en tant qu'enseignant. Et là, à ce moment-là, il a eu beaucoup d'élèves. C'est là où il a eu un afflux d'étudiants qui est venu étudier auprès de lui. Et puis il leur enseignait, à ce moment-là, il dit le cheikh Omar, il leur enseignait Leylan, Wanaharan, Bijid. Quand il est revenu dans cette région-là, il a recommencé à leur enseigner, il leur enseignait jour et nuit, sans arrêt, infatigable. Il faisait que d'enseigner, enseigner avec grande motivation. Et Cheikh Amar dit, les élèves ont profité de lui comme ils n'ont jamais profité auparavant d'un enseignant, comme ils n'ont jamais profité auparavant d'un enseignant. Et ceci, ça a été la cause de la revivification de la pratique religieuse dans la région du Jazan. Le ilm, il n'y a pas photo. Tu veux que les gens aient pratique, il faut qu'ils sachent. Si les gens ils savent pas, l'envie de pratique, elle baisse. Quand tu entends un cours et tu es motivé. Quand tu entends une khutba, un sermon, tu es motivé pour pratiquer. Mais quand tu n'entends pas, et puis au bout d'un moment, même dans ta pratique, tu deviens mou. Tu n'as pas une grande motivation. C'est capital l'importance du savoir pour la vie religieuse. C'est capital. Pour ça que la première chose qu'Allah Azzawajal a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra, lis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait passer le savoir avant le tawhid. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Puis ensuite, implore le pardon d'Allah pour ton péché. Mais le savoir, il précède. Il précède les actes. Mais le cheikh, il dit, il est resté jusqu'en 1373 à enseigner dans cette région-là, dans ces régions-là. Donc depuis 1368 jusqu'à 1373, il s'est déplacé dans une zone locale identique et il a enseigné. Puis, en 1373, on lui a demandé d'être directeur, moudir du gymnase à Jazan. Là, à ce moment-là, il était moudir du gymnase à Jazan et à la fin de l'année, en fait, il a quitté sa place. Il a fait ce qu'il avait à faire au niveau de l'organisation et de la méthodologie d'enseignement et des programmes d'enseignement. Puis ensuite, il est parti. Le cheikh, ce n'est pas la place qui lui intéressait, le Hafiz al-Hakami. Ici, il est directeur. Il peut se dire, ouais, c'est bon, c'est une bonne place. Je reste là. Ce qu'ils disent de lui, subhanallah, disent que, en fait, il avait rien, il possédait rien dans le dunya. Et même quand les gens ils venaient lui donner, il voulait pas prendre et il laissait pas les étudiants prendre. Il laissait pas les étudiants prendre. Et puis,
Cher Omar, attendons, pas n'importe quel étudiant, les étudiants qui étaient plus forts et plus ancrés. On distingue le niveau des personnes. Et puis, il dit, et par Allah, il avait besoin, on savait qu'il avait besoin, il ne prenait pas. Et puis, à ce moment-là, il dit, quand il est rentré en tant qu'enseignant, il a eu un salaire. Avec ce salaire-là, il gardait le minimum et le reste, il aidait lui-même ses étudiants. Quand il est devenu moudir, il aidait ses étudiants, les gens de la famille et les pauvres, au point où les pauvres, quand il était moudir, il était directeur du gymnase, il avait un meilleur salaire. Dit au point où les pauvres, ils avaient un jour dans la semaine où ils savaient, ils toquaient à sa porte et il leur donnait. Quant à lui, il n'avait rien du tout. Rahmatullah. Et puis, à ce moment-là, en 1374, au début du mois de Muharram, il est devenu directeur de l'Académie de Samita des sciences islamiques. Et à ce moment-là, il enseignait à qui? Il enseignait aux étudiants et il enseignait aussi aux enseignants. Il enseignait aux étudiants et il enseignait aux enseignants comment enseigner. Subhanallah. À ce moment-là, le cheikh, il avait 32 ans. 32 ans. 32 ans. À 32 ans, il enseignait aux étudiants, il enseignait aux enseignants. Aux enseignants. Puis, il s'occupait des écoles de son cheikh, cheikh Abdullah Al-Qaraoui. Et lorsque le cheikh lui disait, va là-bas, enseigne cela, il partait. Il allait tout de suite, il ne discutait pas. Quant à son ascétisme, c'était un homme qui était totalement détaché du dunya, comme vous l'avez vu. Cheikh Saleh Al-Usaymi, hafidhahullah, raconte, il dit que l'un de ses des proches de l'Hafidh Al-Hakami lui a raconté. Il lui a dit, l'Hafidh Al-Hakami, il était totalement détaché du dunya. Quand il était dans l'ilm, il ne voyait rien. Même il oubliait qu'il a faim, en fait. Une fois, il dit, j'étais avec lui, on lui a amené de la nourriture pour qu'il mange. Sa famille, par le biais de quelqu'un, lui a transmis de la nourriture pour qu'il mange. Et j'étudiais avec lui. Et la nourriture, elle était chaude. Il dit, Wallah, il dit, on avait faim tous les deux. Moi, j'avais faim. Il dit, et lui, il n'a pas mangé non plus, donc il avait faim. Il dit, mais il étudiait, il étudiait, il étudiait. Et il a dit, moi, il a dit, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Il dit, je voyais la nourriture, elle refroidit, je voulais la manger encore chaude. Je lui dis, ah, cher, la nourriture, elle est là. On mange, je lui dis. On mange. Il a dit, mange-toi si tu as envie. Moi, je n'ai pas le besoin. Il a dit, Allah Azzawajal me donne mieux, tu vois, à ce moment-là. Mange. Moi, il dit, par Allah, je ne veux pas te gêner, toi, mange. Il a dit, je l'ai mangé. Il a dit, même moi, j'avais presque plus envie. Elle était toute froide, la nourriture, tellement attendue. Mais il a dit, lui, subhanallah, il n'a même pas mangé. Il n'a même pas mangé. Allahu Akbar, cher Salah, alors ça, il dit, ça, c'est quand l'homme, il a goûté au goût délicieux du ilm. Quand il a atteint un degré où il goûte au goût du ilm, Allah, toute chose qui le fait sortir de là, c'est un dérangement. Toute chose qui le fait sortir de ce cocon de rahma, de miséricorde, c'est un dérangement. Parce qu'il est tellement bien qu'il n'y a pas de mots pour décrire en fait ce sentiment-là lorsqu'il étudie le savoir. Je vous ai évoqué le fait que chez Omar dit, et un homme est venu et il nous a distribué 10 riyals. Et le cheikh nous a interdit de les prendre. Je vous évoquais cela. Et il a voulu leur enseigner que on ne prend pas facilement les choses comme ça à ses élèves qui étaient plus proches. En 1374, le roi Saoud de l'époque, il est venu et il a voulu donner à Al-Hafidh Al-Hakami tout un cornet, tout un paquet avec de l'argent. Il y avait plus de 10 000 rials. Je vous ai dit que 30 rials, c'était beaucoup à l'époque. Imagine-toi 10 000 rials. 10 000 rials et il y avait d'autres biens en fait dedans. Al-Hafidh Al-Hakami, il a pas voulu les prendre. Il les a pas pris. C'est Cheikh Abdullah Al-Qaraoui qui les a pris. Il a dit, quant à moi, je les prends pas. Et je vous remercie, mais je les prends pas. C'est Cheikh Abdullah Al-Qaraoui qui les a pris. Il ne possédait rien, dit Cheikh Omar. La seule chose qu'il possédait, c'était Cheikh Abdullah Al-Qaraoui. Et Cheikh Abdullah Al-Qaraoui, il voyait que lui, il possède rien, il prend rien. Et c'est lui qui le soutenait, qui le soutenait. Et jusqu'au jour où il a commencé à travailler dans l'enseignement, puis là, à ce moment-là, il avait juste son salaire. Comme je vous ai dit,
son salaire en tant qu'enseignant, il n'était pas très très grand, mais malgré cela, il distribuait de cela. Quand il est devenu directeur, il avait encore plus de moyens et distribuait encore plus, rahmatullahi alayh. Puis en 1367, le cheikh Abdullah Al-Qaraoui, il lui a donné sa fille en mariage. Il a marié la fille de son cheikh en 1367. Puis par la suite, il lui a trouvé encore deux femmes. Il lui a trouvé encore deux femmes à son élève. Quand il a vu la qualité de l'homme et le khayr qui peut découler d'un homme comme ça. Et celui qui désire prendre connaissance du Zuhd d'Al-Hafidh Al-Hakami, il peut lire la Qasida Al-Ha'iyya. Il a une Qasida qui se termine par des ha, une poésie. Et je vous évoque certains vers du début lorsqu'il dit Mali walid dunya wa laysat bi bughyati. Wala muntaha qasdi wa lastu ana laha. ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعناء سريع تقضيها قريب زوالها مياسرها عسر وحزنها سرورها وحزن سرورها وارباحها خسر ونقص كمالها. Il dit, qu'ai-je à faire donc de ce dunya alors qu'elle n'est pas Elle n'est pas ma source de désir. Elle n'est pas mon but ultime et je ne suis pas fait pour elle. Et je ne serai pas de ceux qui s'inclinent vers le dunya et ni à la recherche de position dans ce dunya, car je méprise le dunya et les positions hautes dans le dunya. Elle est la demeure de la difficulté. Demeure du souci et du tourment. Elle passe, elle s'en, très vite s'en vont ses journées, et très bientôt vient sa fin. Mayasiruha usrun, les facilités du dunya sont une difficulté en réalité. Wa husnun sururuha, et les sources de bonheur dans le dunya sont des sources de tristesse. Wa arbahuha khusrun, et les gains du dunya sont une perte. Wa naqsun kamaluha, et le fait de se compléter dans le dunya, c'est un manquement dans l'au-delà. Alors, subhanallah, les vers poétiques. Elle est bien plus longue, mais ça c'est le début en fait de cette poésie-là. Et pour clore ce qui a été évoqué, le cheikh dit « Wal haqiqa kana cheikh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami qad alhamahu Allah walidahu bi tasmiyati Hafiz » فصار اسما طابق مسماه ومن فضل الله عليه خاصة وعلى هذه البلاد عامة أن هيأ الله وصول هذا الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي إلى هذه الديار بعد أن كان الشيخ حافظ راعيا في غنمه لا يستطيع السفر إلى البلاد البعيدة لطلب العلم. الشيخ دي en réalité, Al-Hafidh Al-Hakami, son père l'a appelé Hafidh et il a tiré profit du nom réellement que son père lui a donné et fait partie des faveurs d'Allah Azzawajal sur ce pays, précisément dans la région du Jazan, le fait qu'il ait amené Cheikh Abdullah Al-Qaraoui ici. Enfin, regarde cet homme-là, il est venu, il s'est déplacé, ça a été la clé de tout cela. Ça a été la clé de tout cela. Quand les sources du khayr elles se rejoignent, il y a un grand khayr qui surgit. Quand les sources du khayr, les gens aux bonnes intentions, ils se rencontrent, c'est obligatoire qu'il y ait un bien qui naisse, qui surgisse de cela. Et ici, ce bien-là, entre ces deux hommes-là, qu'est-ce qui a surgi? Toute une région de savants. Toute une région de savants, de ulama et de tullab ul-ilm. Malgré le fait que si on analyse cette situation, l'homme, c'était un gardien de bestiaux. Il vivait dans une région qui était la plus éloignée du savoir qui soit. Les gens, ils ne savaient même pas lire et écrire dans cette région. Même pas lire et écrire, les croient. Pas de livre. Il cherchait un livre, il devrait marcher 20 km et le réécrire à la main pour avoir un livre. Malgré cela, regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Si l'homme est patient et si l'homme il est convaincu. Bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fi ad-din. C'est par la patience et la conviction qu'on arrive à être un imam dans la religion. Quant à la fin de sa vie et sa mort, le cheikh a accompli plusieurs hajj
En 1360, il a fait le pèlerinage avec son père, comme on l'a évoqué, hein. Puis ensuite, en 66, après cela, il a fait le pèlerinage avec des étudiants à lui. Puis ensuite, en 60 et quelques, une troisième fois, il a fait le pèlerinage en bateau. Al-Jazan, tu peux aller en bateau jusqu'à, en face de la Mecque, jusqu'à Jeddah, et puis tu peux passer à Mecca, il y a la mer en fait. Tu peux remonter juste, tu remontes, et tu arrives dans la région mecquoise, dans l'agglomération mecquoise. Et à partir de 1370, il a fait le pèlerinage chaque année jusqu'à sa mort. Chaque année. À ce moment-là, parce que il y avait les voitures après. Donc le déplacement, il était facile. Il était. Chaque année, il allait en voiture avec des groupes d'étudiants. Il faisait le pèlerinage chaque année. En 1377, c'est le dernier pèlerinage qu'il a effectué. Et il a fait At-Ta'ajjul. C'est-à-dire que le 12e de Dhul-Hijjah, il a quitté Mina. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a attrapé une forte, à cause d'une forte insolation, rahimahullah, après avoir rasé ses cheveux à Mina, après le ramy. Et il a été pris de fortes fièvres et la maladie, elle a commencé à augmenter. Il n'était pas bien, fatigué. Puis en sortant de Mina, il est allé à l'hôpital. Il s'est rendu à l'hôpital car il était très faible. Mais c'était rien d'inquiétant, c'était dû au soleil, donc il ira mieux. Les étudiants qui l'accompagnaient sont retournés au Jazan. Le cheikh Abdullah Al-Qaraoui, il avait un appartement à Mecca. Et puis, à ce moment-là, sa situation, elle se dégradait de jour en jour. Il a vécu 5 jours comme ça. Il est tombé dans le coma, rahimahullah. Puis, il est décédé. Il est décédé après avoir terminé son hajj, subhanallah. Après être sorti de Mina, à l'hôpital, dans le coma. Puis il est décédé, rahmatullahi alayh. Rahmatullahi alayh, rahmatan wasi'a. Abdullah Al-Qaraoui, il a été informé de cela. Quand il a été informé, il était choqué. C'était une des plus grandes épreuves dans sa vie, dit-il. Et car il attendait beaucoup de l'Hafidh Al-Hakami. Vous vous rendez compte, cet homme-là, il avait 35 ans à ce moment-là. Les chouyours, les ulama, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, si Allah avait allongé sa vie, il avait allongé sa vie, cet homme-là, on aurait parlé du deuxième cheikh l'islam Ibn Taymiyyah contemporain. Dans l'ail. Et ce n'est pas étonnant, vous voyez, à 35 ans, tout ce qu'il a fait. Subhanallah. On aurait parlé d'un deuxième cheikh. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, hikmatullahi baligha. Allah fait ce qu'il veut. Wal-akhiratu liman ittaqa. Et l'au-delà est pour ceux qui sont pieux. Et à ce moment-là, on a fait salat al-janaza sur lui à Mecca et il est dit que c'est Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, qui a prié sur lui. C'est Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi alayhima wa ala jami'i mawtana. C'est Cheikh Abdelaziz ibn Baz qui a prié sur lui. Ça, c'est certains points que on a décidé d'évoquer ce soir sur l'histoire de cet homme-là. Il y a de fortes et de grandes leçons dans l'étude de l'histoire des hommes de cette communauté. Wallahi, ikhwa, chaque fois que vous êtes en difficulté, vous êtes éprouvé, vous voyez que le dunya se rétrécit autour de vous, bah soyez-vous et prenez la sira, l'histoire de quelqu'un parmi les hommes de cette communauté, les grands hommes, et lisez un peu. Et vous allez voir que vos problèmes, par rapport à leurs problèmes, ils sont insignifiants. Et votre obéissance par rapport à la leur, elle est inexistante. Et vous allez tirer exemple sur ces hommes-là. Et à la tête de ces hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cours de la semaine prochaine, on étudiera le livre. C'est quoi ce livre? Comment est-ce qu'il a été écrit? De quoi est-ce qu'il est composé? Quels sont les chapitres qu'il traite? Quelle est l'utilité? Qu'ont dit les savants sur ce livre-là? Et puis, la semaine qui vient après, on entamera directement l'étude et la lecture du livre avec notre lecteur, qu'Allah le préserve, ainsi que tous les frères. Jazakumullah khaira. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.